crois, Cynthia. Donc, ça fait que cette pieuvre, la première fois qu'elle met ses pieds à Holiday Inn, c'est moi qui paye. Et je lui fais comprendre que désormais, quand tu viens dans cet hôtel, pour payer moins, enregistre-toi à mon nom parce que j'ai une carte. Cette fille a bénéficié de mes nuits d'hôtel, mais comme elle est menteuse, je vais vous... Moi, je parle avec des preuves, hein, à l'appui. Elle a tellement parlé de ça, moi, je trouve ça tellement bas. Vraiment, quand tu as des petites femmes qui n'ont pas de cervelle, elles viennent vous raconter. Et je vois des petites personnes s'agiter là parce que justement, elles ne connaissent pas la vie. Le jour même que elle fait venir la maudite là pour le contrat, c'est avec ma carte. C'est par le biais de l'abonnement que j'ai, de cette carte de réduction. Plusieurs fois, elle a été payée. Regardez. Elle vous a dit que elle payait mes nuits. Regardez. Ce soir, je vous ai dit qu'il y a beaucoup de vérité. Hein. Beaucoup de vérité. Bipez-moi Raymond Tchengan, s'il vous plaît. On va arriver à lui tout de suite. Je remets là. Voilà. Lisez. Je vais. Ouais, en tout cas, vous voyez. Hein. Lisez. On est le 8 janvier 2022. Vous allez voir tous les mensonges de cette fille. Et quand elle ment, il y a des gens qui l'écoutent et qui rigolent. Celle qu'on appelle la maudite, elle, je ne la mets même plus parce qu'elle, de toute façon, elle ne sait ni lire ni écrire. Donc, elle dit juste ce qu'on. Voilà, elle répète juste ce qu'on lui dit, quoi. Voilà. Vous avez lu? Voilà. Je vous fais encore voir la star naissant. Celle-là qui passe, qui fait passer des nuits blanches ou noires. Ou je sais pas quoi à ces femmes tordues. Ok? Bonjour Jean-Louis, mais tu as seulement réservé pour moi? Je dis bonjour Amélie, j'ai fait deux réservations, mais je ne t'ai envoyé que la tienne. J'ai même pas agrandi le truc. Attendez, attendez, attendez. On va y arriver. Voilà. Regardez. Regardez la réservation que j'ai faite. Mon nom est dessus, hein. Elle est sur sa page parce que je la lui envoie. C'est moi qui envoie, qui lui envoie cette réservation que je fais. Vous voyez bien qu'elle est à mon nom. Vous voyez bien qu'elle est à mon nom. Voilà. Je vous remets la star naissant là. C'est là qui fait passer les nuits blanches aux souffreteuses. Les femmes qu'on n'a jamais, les femmes qu'on n'a jamais dotées de leur vie. Elles savent pas ce que c'est que la dot. Et elles nous parlent à nous. Alors, vous voyez jusqu'à quel point l'être humain peut être méchant à raconter des inepties. Vous voyez, l'être humain connaît la vérité, mais elle décide de faire croire aux jeunes en mentant. En mentant. Et avec un air d'assurance qui n'a pas lieu d'être et pourtant elle est en train de vous mentir.
Depuis combien de temps? Depuis combien de temps elle vous dit sur la toile que je vis des points? Elle ne peut pas vous dire que je suis. Combien de fois je vous ai montré mes nuits d'hôtel? Combien de fois on m'accueille avec un mot en précisant membre? Qu'elle vous poste avant le 1er janvier? Elle ne connaissait même pas Paris. Cette pieuvre ne connaissait même pas Paris. Elle venait même pas à Paris. Elle vient, elle rentre dans un hôtel comme le Holiday Inn. Elle n'avait jamais dormi là. Jamais dormi. Quand vous la voyez parler d'hôtel aujourd'hui, parce qu'elle apprend ça avec le couple Messan, elle ne connaissait pas. Je vous ai dit qu'elle est née au village, en Ndom. Elle est partie de Ndom pour le Tchad. Elle n'a pas vécu, elle ne connaît pas la vie. Elle ne connaît rien. C'est une parvenue. Elle ne connaît rien de la vie. Elle découvre la vie. Et vous savez, quand quelqu'un découvre la vie tardivement, bien sûr qu'elle a bossé ensemble par le Tchad. Elle a bossé par le Tchad. Quand quelqu'un a tardivement connu la vie, mais ça se manifeste tel que vous voyez là, tel que vous la voyez faire. C'est comme ça que ces gens. Et vous voyez des gens autour comme la maudite. Elle te dit, voilà, mais. Quand vous voyez cette femme et vous voyez la maudite, comprenez que c'est un cercle de perdus. Elle vous fait croire qu'elle paye l'hôtel à un mec qui est abonné dans un hôtel depuis plus de 15 ans. C'est le seul hôtel. Je vais à Paris depuis 15 ans. Avant, on allait aux Champs-Élysées. Et je prends comme témoin des personnes vivantes qui sont là. Comme la voyante Wozna. C'est Wozna? Je crois que c'est Wozna, la voyante africaine, là, la camerounaise qui est voyante. Avant, on allait aux Champs-Élysées. Elle est venue nous rendre visite là-bas plusieurs fois. Plusieurs fois, elle est venue nous rendre visite là-bas. Je donne son nom parce qu'elle existe, vous la connaissez. Oh, j'adore les cœurs de Marie-Jacqueline Gonjère. Nous, on n'est pas dans le mensonge, on donne les noms. Les personnes sont vivantes. Quand on est parti des Champs-Élysées, Adèle Christelle, tu rigoles. Exactement, merci, merci, Mariam Wanza. Exactement, Mariam Wanza. Vous pouvez lui demander. Elle est venue plusieurs fois, on a pris le déjeuner aux Champs-Élysées. On ne dormait que là-bas. Les photos sont encore sur notre mur. Donc quand vous voyez les parvenus comme ça, à raconter des histoires sur des gens, de toute façon, je sais que. Une bonne partie, vous savez que c'est faux, mais il y a des gens qui viennent d'arriver, qu'à chaque fois, il faut leur expliquer comment les choses se passent. Parce qu'elles ne connaissent pas. Parce que les gens sont sûrs de bling-bling, et voilà, les yeux écarquillés, et ils croient comme ça à des choses, voilà, vite fait, sans toutefois réfléchir. Surtout quand on est prise par des mots un peu, voilà, comme ça, qui sont chaleureux, qui sont beaux, on se dit non. Mais c'est une menteuse. C'est une menteuse. Et j'aimerais que la communauté camerounaise fasse attention à cette fille. Elle est très dangereuse. Elle est très, très dangereuse. Elle ne fait que mentir.